Bonjour chers étudiants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va continuer même dans cette vidéo de parler de calcul matriciel. Donc je vous rappelle tout d'abord qu'est-ce qu'on a vu dans la séance précédente, dans la vidéo précédente, et puis on va continuer à parler de calcul matriciel. Donc on a parlé l'autre fois de la définition d'une matrice. Qu'est-ce qu'une matrice? On a dit c'est un tableau qui contient des chiffres d'une façon générale. Quelle opération on peut faire sur les matrices? On peut faire l'addition de deux matrices, la soustraction, mais toujours il y en a une condition pour l'addition et la soustraction. Il faut que, si je veux faire la somme par exemple A et B, il faut que A et B soient de même taille pour faire la somme ou bien la soustraction. La multiplication d'une matrice par un nombre, bon, ici il n'y a pas de condition, je peux toujours multiplier une constante deux fois A ou bien trois fois A, ça marche toujours. Donc la multiplication, une constante fois matrice. La transposition, ici la transposition, c'est une opération qui, voilà, c'est la transposée. C'est quoi la transposée? C'est juste, on transforme, on peut la prendre comme ça, on transforme les lignes en une colonne, par exemple. La multiplication des matrices, on a fait déjà, des exercices. Quand je peux multiplier, une condition toujours, quand je peux multiplier et comment je multiplie. Donc, on a parlé de la multiplication des matrices, et maintenant on va parler de l'inversion. Donc on va continuer tout d'abord. On va parler de l'inversion des matrices, comment je cherche l'inverse, est-ce que l'inverse toujours existe d'une matrice, et puis on va passer à calculer le déterminant d'une matrice carrée. Avant de commencer le cours, c'est-à-dire donner la définition de l'inverse d'une matrice, les propriétés et le déterminant, ainsi de suite, parce que j'ai donné dans la vidéo précédente un exercice. Voilà l'exercice. Donc, je vais commencer par la correction de cet exercice. Donc, vous voyez l'énoncé. On a une matrice A. Voilà la matrice A et une matrice I, c'est l'identité. Et on a posé B, c'est la matrice A moins l'identité. Donc, la question, c'est quoi? Calculer B à la puissance n, c'est-à-dire les puissances de B. Donc, on va calculer B, B carré, B à la puissance 3, ainsi de suite. Donc voilà, on va commencer par calculant les puissances de B, c'est-à-dire B à la puissance n. Avec n ici, il a précisé, n est comment? N, c'est un entier naturel. Voilà, on va chercher les puissances de B. Donc on va commencer pour n égale à 0. C'est quoi la matrice B à la puissance 0? Donc je vous rappelle que dans la droite réelle, x à la puissance 0, si x est un réel, x appartient à R. X à la puissance 0, c'est toujours égal à 1 par convention. Donc, même chose ici, une matrice à la puissance 0, c'est quoi? C'est pas 1, parce que 1, c'est pas une matrice, mais c'est la matrice identité. I3, ici, c'est-à-dire quoi? C'est cette matrice-là. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Voilà la matrice B à la puissance 0. Maintenant, pour n égale à 1, c'est-à-dire b à la puissance 1, donc est égal à b. B, c'est quoi? C'est a moins l'identité. Vous voyez la matrice a, vous voyez la matrice identité, on va faire la différence. Pour la différence, voilà, terme par terme, pour ce coefficient, c'est 1 moins 1, c'est 0. Donc, pour ce coefficient, 1 moins 0, encore c'est 1 là. Maintenant, 0 moins 0, ça fait 0. Ici, 0 moins 0, 0. 1 moins 1, 0. Et on continue comme ça, on cherche la différence, on va trouver. Bon, ici, pardonnez-moi, l'identité ici, je dois écrire 1, ici, pas 0. C'est, voilà, j'ai commis une faute. Voilà l'identité, donc ici, 1 moins 1, encore 0. Voilà, j'ai trouvé B. Finalement, B à la puissance 1 égale à B, et voilà cette matrice. Je continue parce qu'il a demandé toutes les puissances de B. Donc, B à la puissance 0, c'est l'identité, B à la puissance 1, c'est B. Maintenant, je passe pour n égale à 2. Pour n égale à 2, je veux chercher b au carré. C'est égal à b fois b.
Donc, j'écris B fois B, c'est quoi? Donc, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, fois encore B. C'est-à-dire 0, 1, la même matrice. Et on fait le produit matriciel. Il faut s'entraîner à faire le produit matriciel. Il faut toujours essayer avec donc vous-même, vous essayez de faire le produit matriciel. Je vous propose par exemple d'arrêter la vidéo, essayez de faire le calcul, puis vérifiez si votre calcul est correct. Donc une matrice 3-3, c'est-à-dire 3 lignes et 3 colonnes, fois une matrice 3 lignes et 3 colonnes. Donc le produit va donner une matrice encore 3 lignes et 3 colonnes. Donc, je vous rappelle la formule. Pour chaque coefficient ici, on fait toujours ligne fois colonne. Donc, juste, je vois la position de ce coefficient sur la première ligne et première colonne. Donc, je fais le produit matriciel. Première ligne fois première colonne. 0 fois 0 plus 1 fois 0 plus 0 fois 0, ça donne 0. Pour ce coefficient, maintenant, on est sur la première ligne et la deuxième colonne. Donc, je fais le produit première ligne et deuxième colonne. Donc, c'est combien? 0 fois 1 plus 1 fois 0 plus 0 fois 0, ça donne encore 0. On continue. Ici, on est sur la première ligne et troisième colonne. Donc, première ligne et troisième colonne. Donc, on fait le produit 0 fois 0 plus 1 fois 1 plus 0 fois 0, ça fait 1. Et vous continuez comme ça, vous allez trouver pour les autres coefficients que de 0. Que des 0. Donc, voilà la matrice B carré. J'ai trouvé la matrice B carré. Je passe encore, je ne peux pas m'arrêter là pour n égale à 3 maintenant. Pour n égale à 3, je fais quoi? Je calcule b à la puissance 3, c'est-à-dire b au carré fois b. B à la puissance 3, c'est b carré fois b. Et donc, est égal 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ça c'est la matrice b carré, fois la matrice b. Donc, n'oubliez, voilà la matrice b, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Voilà la matrice b. Et je fais maintenant le produit matriciel. Égal, toujours, ligne fois colonne, ainsi de suite. 3 lignes à 3 colonnes. Et on va commencer par le premier coefficient. Toujours ligne fois colonne. On est ici sur la première ligne et première colonne. Donc, je fais 0 fois 0. Plus 0 fois 0, plus 0, plus 1 fois 0, mais l'essentiel, on a trouvé 0. Ici, donc, on est sur la première ligne et deuxième colonne, donc première ligne et deuxième colonne. 0 fois 1, plus 0 fois 0, plus 1 fois 0, 0. Même chose pour la troisième, vous essayez de faire le calcul, vous allez trouver tous les coefficients cette fois sont nuls. Et donc, on a trouvé une matrice identiquement nulle, c'est-à-dire tous les coefficients sont nuls et j'écris ça tout simplement pour alléger la notation 0, 3. C'est-à-dire c'est une matrice carrée de taille 3 lignes, 3 colonnes dont tous les coefficients sont nuls. Voilà, B à l'absence 3. Donc maintenant pour n égale à 4, on va chercher B à la puissance n, c'est-à-dire B à la puissance 4. Mais B à la puissance 4 égale à quoi? B à la puissance 4 égale B au cube fois B. Bon, j'écris B à la puissance 4, c'est égal B à la puissance 3 fois B. Mais on a déjà calculé B à la puissance 3, on a trouvé 0, la matrice identiquement nulle fois B. Donc, 0 fois une matrice, la matrice nulle fois une autre matrice, ça donne toujours la matrice nulle. Donc, même si je continue comme ça pour n égale à 5, pour n égale à 5, B à la puissance 5, c'est quoi? C'est B à la puissance 4, pardon, fois B. Donc, est égal à 0 fois B. C'est égal à 0. Donc, ici, on peut s'arrêter là et on peut faire la conclusion. Pour n supérieur ou égal à 3, donc, B au cube, c'est 0. B à la puissance 4, c'est 0. Donc, c'est quoi la conclusion ainsi? Quel que soit l'entier naturel supérieur égal à 3, B à la puissance n, c'est la matrice identiquement nulle. Donc, on a B à la puissance 0, c'est l'identité.
B à la puissance 1. On a dit CB qui est donné par ça, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Bon, pardon, B, c'est pas ça. Voilà, B, ici, il y a de 1 là. Il y a 1 ici aussi. Voilà, ça c'est B. Et B au carré, c'est cette matrice-là, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Voilà, donc. B0, c'est l'identité. B, c'est, voilà, cette matrice. B au carré, elle est donnée par ça. B au cube, B4, B à l'absence 5 sont tous. Voilà, donc, pour le calcul des puissances de B. Maintenant, si je reviens à l'énoncé, qu'est-ce qu'il nous demande après le calcul de B à la puissance N? On a calculé toutes les puissances de B. Maintenant, il nous a demandé de déduire, voilà, la déduction de les puissances de A. Maintenant, on va déduire les puissances de A. Donc, on va calculer A. Regardez la matrice A, elle est comment? Quelle relation entre B et A? Voilà, je vais écrire tout ça. Donc, maintenant, calculons les puissances de A, c'est-à-dire A à la puissance N, quel que soit N un entier naturel. Alors, bon, je rappelle que A est donné par cette matrice. 1, 1, 0, 0, 1... 1 et 0, 0, 1. Et on a trouvé quelle relation entre A et B. Il nous dit B égale la matrice A moins l'identité. Donc, certainement, la matrice A égale B plus l'identité. Voilà une opération classique. Et donc, A à la puissance N, c'est quoi? Est égal B plus I, le tout à la puissance N. Et donc, est-ce qu'on peut appliquer la formule de binôme de Newton? Donc, il y en a une condition pour appliquer la formule de binôme de Newton, par exemple, pour dire que on a deux matrices, C et D, par exemple. C plus D au carré est égal C carré plus 2CD plus D carré. On connaît très bien que c'est correct pour les réels ou bien pour les nombres complexes. Mais pour les matrices, il faut vérifier une condition. Quand ceci est vrai, si le deux matrices commutent, c'est-à-dire le produit C fois D égale le produit D fois C. Dans ce cas, je peux appliquer la formule de binôme de Newton. Donc, on va appliquer la formule de binôme de Newton ici parce que, tout simplement, oui, B est l'identité commute. C'est deux matrices à l'intérieur des parenthèses. Or, B fois l'identité, c'est égal à B. Et aussi, l'identité fois B égale à B. Donc, voilà, vous voyez le même résultat. Donc, on peut dire alors que B fois I égale I fois B. Et donc, le deux matrices commutent, c'est-à-dire je peux faire appliquer la formule de binôme de Newton. Donc, je peux dire quoi? A à la puissance N égale la somme allant de 0 jusqu'à N, c'est NK, B à la puissance K, fois l'identité à la puissance n moins k. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué la formule du bilan telle qu'elle est. Et maintenant, je veux écrire les termes. Le premier terme de cette somme pour k égale à 0, c'est-à-dire c'est n 0, b à la puissance 0, l'identité à la puissance n, plus le deuxième terme pour k égale à 1, ça c'est pour k égale à 0. Maintenant, pour k égale à 1, c'est n 1, B à la puissance 1, on a dit c'est B, fois l'identité à la puissance N moins 1, plus le terme suivant, c'est N2, B au carré, fois l'identité à la puissance N moins 2. Ça, c'est pour K égale à 2, et je continue comme ça. Maintenant, le terme pour K égale 3, c'est N3, B à la puissance 3, I à la puissance N moins 3. Et ainsi de suite jusqu'à, voilà, je fais trois points, jusqu'à k égale n, b à la puissance n et indice n moins 3. Et maintenant, on va utiliser le fait que pour b à la puissance 3, c'est 0, la matrice nulle, b au cube, on a dit, b à la puissance 3 est nul. Donc certainement, le terme suivant qui contient b à la puissance 4, il est nul. Donc b à la puissance 5, encore, c'est nul. Donc tous ces termes sont nuls. Qu'est-ce qu'il va rester? Uniquement les trois premiers termes. Donc, c'est N0,
B0, mais B0, c'est quoi, on a dit? C'est l'identité. Donc, voilà l'identité. Plus, c'est N1, B fois l'identité. Bon, l'identité à la puissance N-1 ici. L'identité à la puissance N-1, c'est l'identité fois l'identité fois l'identité. Et l'identité, c'est comme le 1. Donc, 1 fois 1 fois 1, ça reste 1. Même chose ici. L'identité fois l'identité fois l'identité, ça reste toujours l'identité. Donc, B fois l'identité, c'est B. Voilà, une constante fois l'identité plus une constante fois B plus CN2 B au carré fois l'identité à la puissance N-2 qui est toujours l'identité. Et l'identité fois B carré, ça reste B carré. Et tous les autres termes sont nuls. Donc, on continue. Donc, j'ai trouvé finalement CN0, CN1 et CN2. À quoi t'égale les coefficients binomiaux suivants? Donc, je vous rappelle ici les coefficients binomiaux. Donc, je peux vous rappeler, CNK d'une façon générale est égal à N factoriel sur K factoriel, N moins K factoriel. Donc, pour les coefficients binomiaux, voilà la formule. Alors, CN0, je veux remplacer tout simplement K par 0. Donc, CN0 égale à quoi? N factoriel sur 0 factoriel, N moins 0 factoriel, c'est-à-dire encore N factoriel. Bon, 0 factoriel, c'est 1. Donc, je vais trouver N factoriel sur N factoriel. Pourquoi? Parce que ça, c'est 1. Factoriel N divisé par factoriel N, c'est 1. Donc, le premier coefficient est égal à 1. 1 fois l'identité, c'est l'identité. Maintenant, je veux calculer CN1. Voilà, je vais effacer ça, je vais chercher CN1. C'est-à-dire, je remplace K par 1. CN1, c'est quoi? N factoriel sur 1 factoriel, N moins 1 factoriel. Je continue le calcul. N'oubliez pas que N factoriel, c'est le produit N fois N moins 1 fois N moins 2 fois N moins 3, tous les entiers naturels qui sont inférieurs à N. Donc, n moins 1 factoriel égale à quoi? N moins 1 factoriel, c'est n moins 1 fois n moins 2 fois n moins 3, ainsi de suite jusqu'à 1. Et donc, si je divise n factoriel par n moins 1 factoriel, tous les facteurs ici, 1 fois 2, ainsi de suite, seront simplifiés, il ne me reste que le n. Donc, je continue, je peux écrire là, c'est n divisé par 1 factoriel qui est égal à 1, donc c'est n. Donc, ce coefficient binomial, c'est 1 égal à n. N fois b. Plus, je cherche le troisième coefficient binomial. Donc, je vais effacer ça et je remplace k par 2 maintenant. Je vais remplacer k par 2. C'est n2 égale n factoriel divisé par 2 factoriel n moins 2 factoriel. Même chose ici, n factoriel, comment je peux l'écrire? C'est le produit de tous les entiers naturels inférieurs ou égal à n. Donc n fois n moins 1 fois n moins 2 fois n moins 3, ainsi de suite jusqu'à 2 fois 1. Voilà, tous les entiers naturels. N moins 2 factoriel maintenant. C'est égal le produit de tous les entiers inférieur ou égal à n moins 2. Donc n moins 2, n moins 3, n moins 4, ainsi de suite jusqu'à 2 fois. Et maintenant, si je divise n factoriel sur n moins 2 factoriel, tous ces termes seront simplifiés. Il me reste que n fois n moins 1. Donc ici, je vais avoir n fois n moins 1 divisé par 2 factoriel. Mais 2 factoriel, c'est le produit de tous les entiers naturels non nuls inférieurs à 2, c'est-à-dire 2 fois 1 qui est 2. Donc, j'ai trouvé le troisième coefficient binomial. Ça, c'est 1. Fois b au carré. Maintenant, j'écris. Donc, a à la puissance n est égal à l'identité plus n fois b plus n fois n moins 1 sur 2. B au carré. Et je remplace maintenant l'identité par sa valeur
b par sa valeur et b carré aussi. Donc je vais effacer ça pour avoir de l'espace. Donc l'identité, c'est simple, l'identité est égale à quoi? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ça, c'est l'identité. Plus n fois la matrice B. Donc, je me rappelle de la matrice B. Elle est donnée par ça. Plus n fois n moins 1 sur 2 fois la matrice B carré. Donc, n fois n moins 1 sur 2 fois la matrice B carré. Voilà la matrice B carré. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et maintenant, je fais la somme de tout ça. Donc, égal. Ici, on a 1, et là, n fois 0, et là, aussi, une constante fois 0. Donc, il ne me reste que le 1. Donc, est égal à 1. Ici, qu'est-ce que je dois écrire? 0 plus n fois 1 plus une constante fois 0, donc je trouve le n. 0 ici, n fois 0 et n fois n moins 1 sur 2. Donc, je fais juste le calcul. Ici, 0 plus n fois 0 plus 0, ça reste 0. 1 plus 0 plus 0, donc je trouve 1. 0 plus n plus 0, donc je trouve le n. Là, maintenant, 0 plus 0 plus 0, c'est 0. 0 plus 0 plus 0, encore 0. Et 1 plus 0 plus 0, ça fait le. Voilà, j'ai trouvé A la puissance n à quoi est égal. Voilà, A la puissance n. Donc voilà pour cet exercice. On a utilisé toutes les opérations, la somme de deux matrices produit d'une matrice par un scalaire, ainsi de suite, et la formule de binôme de Newton. Juste, je veux rappeler, quand vous pouvez appliquer la formule de binôme de Newton, lorsque vous avez la somme de deux matrices qui compute. Continuons maintenant le cours. On va parler de l'inverse d'une matrice. Vous voyez la définition. Quand je parle de l'inverse d'une matrice, lorsque la matrice est carrée. Carré, c'est-à-dire le même nombre de lignes égale le nombre de colonnes, c'est-à-dire une matrice 2-2 ou bien 3-3. Donc, je ne vais pas parler de l'inverse d'une matrice pour une matrice ayant deux lignes, trois colonnes, par exemple. Bon, pour parler de l'inverse, il faut que la matrice soit carrée. Le nombre de lignes égale le nombre de colonnes. Quand une matrice carrée est dite inversible, ou bien encore, on peut dire qu'elle est régulière, s'il existe une autre matrice, qu'on note par A à la puissance moins 1, tel que le produit donne l'identité. Il se peut que l'inverse existe ou pas, tout dépend de la matrice est inversible ou pas. Donc, je dis qu'une matrice est inversible, c'est quoi? Donc, on dit que A est inversible. Si quoi? Donc ici, je suppose que A est une matrice carrée, bien sûr. Bon, de taille n, je veux dire. N, c'est un entier naturel non nul. Donc, je peux dire qu'une matrice carrée de taille 2, de taille 3, de taille 4, ainsi de suite. Si il existe, donc je vais écrire comme ça, il existe une matrice B ou bien une matrice qu'on note 1 moins 1, telle que le produit A fois B égale l'identité. Dans ce cas, on note B, c'est l'inverse de A. Donc, A moins 1 égale B. Ça vous rappelle quelque chose dans le cas réel? Ici, 5, par exemple, c'est un réel. Est-ce que 5 est inversible dans R? Oui, parce que 1 cinquième fois 5 est égal à 1. Donc, on peut dire que 5 est inversible et son inverse égale 1 cinquième. L'inverse de 6, c'est 1 sixième, parce que 6 fois 1 sixième égale 1. 0, c'est pas inversible, parce que je peux pas trouver un réel x, tel que x fois 0 égale à 1, ça c'est impossible. Donc, dans mon R, tous les réels sont inversibles, sauf le 0, n'est pas inversible. Pour les matrices, on va voir plusieurs matrices sont non inversibles.
Pas uniquement la matrice nulle. On peut avoir plein de matrices, une infinité de matrices qui ne sont pas inversibles. Mais voilà la définition pour le moment. Prenons cet exemple. Voilà deux matrices A et B. A est cette matrice carrée de taille 2. B aussi, c'est une matrice carrée de taille 2. On va calculer tout d'abord A fois B et puis on va déduire que A est une matrice inversible. Voilà, calculons ensemble A fois B. A fois B égale, j'écris A tout d'abord, puis B. A est une matrice carrée de taille 2, B aussi, donc le résultat certainement va donner une matrice carrée de taille 2. Voilà quatre coefficients à déterminer. Ce coefficient, il est sur la première ligne et première colonne, donc je fais le produit ligne fois colonne. 1 fois 1 plus 2 fois 0, c'est 1. Ce coefficient est sur la première ligne et deuxième colonne. Première ligne et deuxième colonne. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Ce coefficient, il est sur la deuxième ligne. Donc voilà la deuxième ligne et première colonne. Deuxième ligne et première colonne. 0 fois 1 plus 1 fois 0, ça fait 0. Et ce dernier coefficient, il est sur la deuxième ligne et deuxième colonne. Donc on fait produit deuxième ligne et deuxième colonne. 0 fois moins 2 plus 1 fois 1, ça fait 1. Et je remarque que le produit a donné l'identité I2. Et donc, qu'est-ce que je peux dire? Donc, ça, c'est pour la première question. On a prouvé, donc, par définition, il dit quand la matrice est inversible, lorsque je peux trouver une matrice B, telle que le produit égale l'identité. Ici, on a trouvé. Donc, je peux dire A est inversible. Et son inverse est donné par la matrice B, qui est 1, moins 2, 0. Donc, on a juste appliqué la définition pour déduire que la matrice est inversible. Corrigeons maintenant ensemble cet exercice. Quand la matrice A est donnée par 1, 2, 3, 4, donc vous voyez, c'est une matrice carrée de taille 2. Le but de l'exercice est toujours de déterminer l'inverse de A. Donc, il a déjà donné une indication ou bien une question préliminaire. Il nous a demandé de calculer la matrice A au carré moins 5A moins 2 fois l'identité. Donc, on va commencer tout d'abord par faire le calcul et puis on va chercher l'inverse de A. Faites le calcul. Donc, je vous propose de faire le calcul par vous-même et puis vérifier si votre calcul est correct ou pas. Donc, on va corriger A au carré égale A fois A. Par définition. Donc, vous voyez ici, j'écris la matrice A fois elle-même. Et donc, juste, on va faire le produit toujours ligne fois colonne, juste comme un exemple, comment je peux trouver les coefficients. Ce coefficient, par exemple, il est sur la première ligne et deuxième colonne. Donc, je fais première ligne fois deuxième colonne. Donc, 1 fois 2 plus 2 fois 4. Donc, 2 plus 8, ça fait 10. Donc, voilà comment je peux trouver les petites valeurs, les autres valeurs. Toujours ligne fois colonne. Donc ça, c'est la matrice A carré. Il nous a demandé de calculer A carré moins 5A moins 2 l'identité. Donc c'est ce que je vais faire. Donc A carré moins 5A moins 2 l'identité égale, j'écris la matrice A au carré, 7, 10, 15, 22, moins 5 l'identité, vous connaissez, moins 5A, pardon. Donc vous voyez la matrice A, on va multiplier tous les coefficients par 5. Donc, 5, 10, 15 et 20. Ça, c'est la matrice 5A. Maintenant, moins 2 l'identité. Donc, moins 2 fois l'identité. J'écris 2 ici, 0, 0, 2. J'ai multiplié l'identité par 2. Et maintenant, je fais la somme. 7 moins 5 moins 2. Donc, c'est toujours 0. 10 moins 10 moins 0. Encore 0. 10 moins 10, ça fait 0. 15 moins 15 moins 0. Encore 0. 22 moins 20 moins 2. Encore 0. Donc, ce qu'on peut remarquer là, après tout calcul fait, on peut dire que A carré moins 5A moins 2 l'identité, c'est la matrice nulle. Donc, d'après cette relation, comment je peux déterminer l'inverse de A cette fois? Donc, on va chercher, n'oubliez pas, je vous rappelle la définition. L'inverse de A vérifie quoi?
A fois B égale l'identité. Si on retrouve une matrice B qui vérifie ça, A fois B égale l'identité, on dit que A est inversible et son inverse, c'est la matrice B. Donc ici, on va chercher une matrice B qui vérifie ça. D'après cette relation, qu'est-ce que je peux dire? A au carré moins 5A égale 2 fois l'identité. Encore, ceci implique quoi? Je peux mettre ici A en facteur. En facteur de quoi? De quoi? A fois A, ça donne le A carré, moins 5 l'identité. N'oubliez pas l'identité parce que c'est la matrice identité que joue le rôle de 1 dans le calcul matriciel, égale 2 fois l'identité. Vous pouvez vérifier, A fois A, ça fait A carré, moins 5, A fois moins 5 l'identité, ça donne moins 5A, égale 2 fois l'identité. Maintenant, je peux diviser tout le monde par un demi. Donc, un demi fois A moins 5 l'identité égale I. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste multiplié d'une part et d'autre part un demi. Finalement, j'ai trouvé une relation qui ressemble beaucoup à celle-là, A fois B égale identité. Je peux écrire ça. A fois quelle matrice? Un demi fois A moins 5 l'identité est égal I. Autrement dit, je peux noter ça, c'est la matrice B, et j'ai trouvé A fois B égale identité. Donc, qu'est-ce que je peux dire comme conclusion? La matrice A est inversible. Et c'est quoi son inverse? Et l'inverse de A, qu'on note A moins 1, est donné par cette matrice. 1 demi fois A moins 5 l'identité. On va déjà calculer, on va essayer de faire le calcul de cette matrice. 1 demi fois A, la matrice A, c'est quoi? C'est cette matrice donnée par, donc, 1, 2, 3, 4, c'est simple, donc à retenir. 1, 2, 3, 4, moins 5 l'identité. Donc, j'écris moins 5 ici, 0, 0. Donc, c'est 1 demi. Fois, je fais la soustraction, 1 moins 5, ça donne moins 4, 2 moins 0, ça donne 2, 3 moins 0, encore 3, et 4 moins 5, ça donne moins 1. Et voilà, j'ai trouvé la matrice A moins 1. Donc, A moins 1 égale 1 demi. Je peux garder le 1 demi à l'extérieur, comme ça, 1 demi fois, entre parenthèses, moins 4, 2, 3, moins 1. Ou encore, je peux multiplier par 1 demi pour avoir moins 4 sur 2, c'est moins 2. 1, 3 demi et moins 1 demi. Voilà, on a trouvé l'inverse de A. La question maintenant se pose, comment calculer l'inverse? Ici, vous avez remarqué qu'on le dans le deux exercices qu'on a fait, toujours il nous donne une indication. Par exemple, dans cet exercice, il a dit calculer tout d'abord A au carré moins 5A moins 2i. Et puis, à partir de cette relation, on a pu trouver l'inverse. Dans l'exercice précédent, il a donné A et B. Donc, il a donné une indication calculée A fois B. Et à partir du produit, on a prouvé que B est l'inverse. Maintenant, la question, si on a une matrice A, sans aucune indication, comment je peux savoir que cette matrice est inversible et je peux déterminer son inverse? La méthode usuelle pour calculer l'inverse, c'est la méthode de Gauss. Donc, on va voir c'est quoi la méthode de Gauss ou bien la méthode dépourvue de Gauss pour calculer l'inverse. Donc, voilà la méthode de pivot de Gauss. Méthode de pivot de Gauss pour calculer l'inverse. Le calcul de l'inverse. Donc, cette matrice consiste à faire quoi? Je commence par un exemple. Donc, je considère cette matrice 1, 2, 3, 4. Déjà, on a calculé celle, ou bien on a prouvé que cette matrice est inversible et on a calculé son inverse dans un exercice précédent. Maintenant, comment je peux calculer l'inverse de A sans aucune indication? La méthode de pivot de Gauss consiste à écrire la matrice A
on charge son inverse. Et à droite, on écrit la matrice identité, l'identité ayant la même taille, puisque ici A est une matrice carrée de taille 2, j'écris la matrice identité de taille 2. Donc voilà, j'ai écrit identité. Et maintenant, je fais quoi? Je fais des opérations élémentaires sur A. Quelles sont les opérations élémentaires? Je considère par exemple la ligne 1 reçoit une constante, bon, je veux noter alpha, fois ligne 1. Ou bien, je multiplie la deuxième ligne par une constante. On appelle ça une opération élémentaire. Donc, je peux multiplier une ligne de A par une constante. Par exemple, c'est-à-dire quoi? Je fais l'opération ligne 1 reçoit 2 fois ligne 1, c'est-à-dire je vais changer la matrice A en multipliant la première ligne par 2. Donc, ça sera 2, 4, 3, 4. Voilà, donc j'ai multiplié la première ligne par 2. Donc, c'est une opération, on appelle ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une opération élémentaire sur A. On a multiplié une ligne par une constante. Maintenant, est-ce que c'est l'unique opération qu'on puisse faire? Non, encore. Je peux faire quoi? Une combinaison. Je peux faire ligne 1 reçoit ligne 1 plus ligne 2. Donc, je fais la somme. Alors, regardez, je peux faire cette opération sur cette matrice. Je veux noter par A'. Ligne 1 plus ligne 2. Donc, j'ai écrit ligne 1 sera remplacée par la somme de ligne 1 et ligne 2. Donc, 2 plus 3, c'est 5. 4 plus 4, c'est 8. Voilà, j'ai fait l'opération sur la première ligne et je garde la deuxième ligne telle qu'elle est. Donc, la méthode de Gauss pour chercher l'inverse, pour appliquer la méthode, il faut savoir faire des opérations élémentaires. Quelles sont les opérations élémentaires? Je peux multiplier une ligne par une constante ou bien je fais une ligne reçoit une combinaison de deux autres lignes. Je peux faire encore ligne 2 reçoit ligne 1 plus 2 fois ligne 2. Encore, c'est une opération élémentaire. Je dis quoi? Voilà, je veux changer, je remplace ligne 2 par quoi? Par la somme de la première ligne plus 2 fois la deuxième ligne. Donc, je fais 5 plus 2 fois 3. Donc, bon, je veux changer la première ligne. Non, je veux changer la deuxième ligne d'après l'opération. La deuxième ligne sera remplacée par quoi? La première plus 2 fois la deuxième. Donc 5 plus 2 fois 3. 5 plus 6, ça fait 11. 8 plus 8, ça fait 16. Donc juste, je voulais vous montrer quelques opérations élémentaires. Donc voilà comment faire des opérations élémentaires. Pourquoi je veux définir les opérations élémentaires pour chercher l'inverse par la méthode de Gauss. Donc, avant de donner la méthode de Gauss, donc je veux définir quelles sont les opérations élémentaires qu'on puisse faire sur les matrices. Voilà les trois types d'opérations élémentaires qu'on puisse faire sur les matrices. Donc, la première opération, je peux permuter deux lignes. Donc, la ligne 1, par exemple, et la ligne 2. Je change la place. Je permute. Donc, je remplace la ligne 1 par la ligne 2 et la ligne 2 par la ligne 1. Donc, tout simplement, je permute deux lignes entre elles. Ou encore, deuxième type d'opération élémentaire. Par exemple, la ligne 1 reçoit ligne 1 plus 2 fois ligne 3. Donc, je fais quoi? J'ajoute un multiple d'une ligne à une autre. Donc, encore, c'est une opération élémentaire. Ou bien tout simplement, je considère une ligne et je la multiplie par une constante, bien sûr, non nulle. Voilà les trois types d'opérations élémentaires. Bien sûr, lorsque je fais une opération élémentaire, la matrice va changer. Donc, je rappelle juste, on définit les opérations élémentaires pour introduire la méthode de pivot de Gauss pour le calcul de l'inverse. Ici, j'ai cité les opérations sur les lignes. Encore, je peux faire les opérations élémentaires sur les colonnes. Donc, je peux permuter deux colonnes. Ajouter une constante ou bien un multiple d'une colonne à une autre, ou bien multiplier la colonne par une constante non nulle. Voyons sur un exemple comment faire des opérations élémentaires. Donc, par exemple, si je vous demande de faire l'opération C2 reçoit C2 plus C1. Après cette opération, on aura une autre matrice. Certainement, on va changer la matrice. Donc, après ce changement, maintenant, la matrice sera. Voilà la transformation. Donc, on va changer la deuxième colonne. Donc, je veux écrire la première telle qu'elle est, 0, 2, 0. La deuxième, maintenant, voilà la deuxième colonne. Je veux changer cette colonne. Je fais cette opération, c'est 2 plus c'est 1. Donc, je fais la somme. 1
2 plus moins 1, c'est 1, 0 plus 0, 0. Et j'ai pas changé la troisième colonne, donc j'écris la matrice telle qu'elle est. Donc voilà, une deuxième matrice que je peux noter A'. C'est la matrice obtenue après l'opération élémentaire, C2 reçoit C2 plus R. Je peux par exemple, à titre bien sûr indicatif, C1 reçoit maintenant C1 moins C3. Comment je peux lire cette opération? C'est-à-dire effectuer l'opération suivante. La première colonne reçoit, donc je vais changer la première colonne, celle-là. La première moins la troisième, donc j'ai pas changé, je veux pas toucher la deuxième, je la garde telle qu'elle est, la troisième non plus, je veux changer uniquement la première colonne. Quelle opération? C'est C1 moins C3. Voilà, C3. Je fais la différence. 0 moins 3, ça fait moins 3. 2 moins 0, c'est 2. 0 moins 1, c'est moins 1. Voilà comment faire des opérations élémentaires. Sur les lignes, par exemple, si je veux faire une opération sur les lignes maintenant, je peux dire, par exemple, la ligne 2 et ligne 1 seront permutées. J'aimerais bien permuter les deux premières lignes. Donc, voilà le résultat. Après cette opération, je vais changer cette ligne-là, qui est la première et la deuxième. Donc, j'écris la deuxième à la place de la première et la première à la place de la deuxième. Voilà. Voilà ce que j'ai fait après l'opération élémentaire. Voilà donc comment appliquer les opérations élémentaires. Je reviens maintenant à mon but, chercher l'inverse d'une matrice à l'aide de la méthode de Gauss ou bien de pivot de Gauss. Alors pour la méthode de Gauss, on va chercher l'inverse, on a dit, de cette matrice par exemple. 1, 2, 3, 4. Je fais quoi? J'écris la matrice à gauche et à côté d'elle, j'écris la matrice identité. À droite, la matrice identité. Bien sûr, la matrice identité, on a dit de même taille, 2, 2. Alors, je fais quoi maintenant? Je veux essayer de faire des opérations élémentaires sur la matrice A pour la transformer après des opérations élémentaires. Je veux avoir la matrice identité. Donc, je vais essayer de faire des opérations élémentaires afin de transformer cette matrice en une matrice identité. Mais il faut faire attention, je veux appliquer les mêmes opérations sur cette matrice qui est identité. Et à l'étape où je trouve ici à gauche une matrice identité, ce qui est devant moi, c'est l'inverse de A. Juste, on va faire ça sur un exemple pour comprendre en mieux. Alors, regardez ici comment je veux commencer. Donc, le but est de transformer cette matrice en une matrice identité. Donc ici, je commence par le coefficient, le premier coefficient diagonal. Il est 1, c'est bon, parce que la matrice identité, ici, elle doit contenir 1 ici, donc c'est bon. Je passe à ce coefficient. Pour une matrice identité, ça doit être nul. Donc je veux faire une opération élémentaire sur ce coefficient, ou bien sur les lignes ici, pour rendre ce coefficient nul. Quelle opération je propose? Je dis ligne 2, puisque le 3 ici est sur la ligne 2. Je veux faire ligne 2 moins 3 fois ligne 1. Donc, c'est une opération élémentaire que je peux faire. Après cette opération, on va voir qu'est-ce que je vais avoir. Je n'ai pas changé la première ligne, donc 1, 2. J'ai changé la deuxième ligne. La deuxième ligne maintenant, c'est la deuxième ligne. 3, 4, moins 3 fois la première ligne. Donc 3 moins 3, ça fait 0. Et 4 moins 3 fois 2, parce que c'est la première ligne ici, c'est 2. 2 fois 3, 6. 4 moins 6, c'est moins 2. Voilà, après cette opération, la matrice A est transformée en cette nouvelle matrice. La même opération maintenant, cette opération, je veux l'appliquer sur cette matrice identité et je veux l'écrire là. Donc, je n'ai pas changé la première ligne, 1, 0. La deuxième ligne, quelle transformation? Ligne 2, qui est 0, 1, moins 3, ligne 1. Donc, je fais 0, moins 3, c'est moins 3. 1, moins 3, fois 0, donc c'est 1. Voilà. Je continue. Je vais faire une deuxième opération, toujours dans le but de transformer cette matrice en une matrice identité. Donc, je répète, on a commencer par le premier coefficient diagonal, ensuite ce coefficient qui est sous la diagonale. Maintenant, deuxième coefficient diagonal. Le deuxième ici,
C'est moins 2. J'aimerais bien qu'il soit 1, parce que dans la matrice identité, sur la diagonale, il n'y a que de 1. Donc, quelle opération je vais proposer? Je vais faire ligne 2, reçoit, moins 1 demi, ligne 2. J'ai multiplié la deuxième ligne par moins 1 demi, toujours dans le but de transformer ce coefficient en 1. Allez, faites cette opération. On va voir qu'est-ce qu'on va avoir. Qu'est-ce qu'on va obtenir maintenant? On n'a pas changé la première ligne, donc c'est toujours 1, 2. La deuxième ligne sera multipliée par moins 1 demi. Donc 0 fois moins 1 demi, ça reste 0. Et moins 2 fois moins 1 demi, ça sera 1. Maintenant, la même opération toujours, je vais l'appliquer sur cette matrice. Et je vais l'écrire ici. J'ai pas changé la première ligne, donc je garde la première ligne 1, 0 telle qu'elle est. Et la deuxième ligne, je vais la multiplier par moins 1 demi. Donc ici, je vais trouver 3 demi, moins 1 demi. C'est bon. Encore, dans le but toujours de faire quoi? Transformer cette matrice en une matrice identité. Donc c'est bon, 1 là, 1 là. Maintenant, je m'intéresse à ce 2 ici, qui est au-dessus du coefficient diagonal ici. Donc, je veux transformer ces deux en quoi? Pour avoir une matrice identité en 0. Très bien. Et donc, pour transformer ce 2 en 0, je dois faire une opération élémentaire. Donc, quelle opération élémentaire dois-je faire sur les lignes, bien sûr, puisqu'on a commencé sur les lignes, on va continuer sur les lignes. Quelle opération sur les lignes pour transformer ces deux en 0? On peut faire par exemple la première ligne, puisque le 2 est sur la première ligne, reçoit la première ligne moins 2 fois la deuxième ligne. Parce que je vais utiliser ce 1 là, je sais que si je multiplie le 1 par 2 et je fais la soustraction, ça sera 0. Et donc voilà, après cette opération élémentaire, la matrice A se transforme, donc ligne 1 moins 2, ligne 2, 1 moins 2 fois 0 c'est 1, 2 moins 2, 0. Et j'ai pas changé la deuxième ligne, donc je vais l'écrire telle qu'elle est. Même opération, je veux l'appliquer sur cette matrice à droite. Donc on a dit, on va faire la ligne 1 reçoit la première ligne moins 2 fois la deuxième. Donc 1 moins 2 fois 3 demi. Donc 1 moins 3. 1 moins 3, c'est moins 2. 0 moins 2 fois moins 1 demi. Donc 0 plus 1, ça fait 1. Voilà, j'ai pas changé la deuxième ligne, donc je veux écrire la deuxième ligne telle qu'elle est. Et je suis, ça y est, je m'arrive au but. Ici, j'ai trouvé l'identité. Donc, nécessairement, certainement, cette matrice, c'est la matrice inverse de A d'après la méthode de pivot de Coston. Puisque j'ai trouvé à gauche l'identité, donc à la face de l'identité, je veux trouver la matrice inverse. A moins 1 égale moins 2, 1, 3 demi, moins 1 demi. Donc, vous voyez ici, il n'a pas donné des indications, il a donné juste la matrice A. Voilà la matrice A, 1, 2, 3, 4. Et à l'aide de la méthode des pivots de Gauss, j'ai pu déterminer l'inverse en faisant des opérations élémentaires jusqu'à arriver à l'identité. Je peux déterminer l'inverse d'une matrice quelconque. On va faire ça sur un autre exemple. Voilà une autre matrice A, cette fois une matrice de taille 3, 3 lignes et 3 colonnes. Et on va essayer d'appliquer la méthode de pivot de Gauss pour chercher l'inverse de A. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour déterminer l'inverse de A? On a dit, je vais écrire la matrice A ici, à gauche. Et à côté d'elle, je vais écrire la matrice identité. Maintenant, je vais essayer de transformer la matrice A, cette matrice, en une matrice identité, en faisant quoi? En faisant des opérations élémentaires. Donc, je commence toujours par le diagonal. Le premier coefficient, il est déjà 1, c'est bon, parce que j'ai besoin de 1 déjà, puisque je veux trouver la matrice identité. Maintenant, je m'intéresse au coefficient en dessous du coefficient 1. Donc, en dessous de 1, il y en a 4 et moins 1. Il faut le 4 moins 1 seront des zéros. Dans quelle opération je vais opérer sur la deuxième ligne pour transformer ce 4 en 0 et je vais aussi faire une opération élémentaire sur la troisième ligne pour transformer ce moins 1 en 0. La méthode consiste à utiliser toujours le 1.
Voilà, donc on va utiliser le 1, c'est-à-dire la première ligne pour transformer le 4 en 0 et le moins 1 en 0. Donc je vais faire quoi? On reçoit la deuxième ligne moins 4 fois la première ligne, parce que je sais très bien 4 moins 4 va donner 0. Donc je vais utiliser ce 1, je vais me profiter de ce 1 pour transformer ce 4 en 0. Même chose là, je vais appliquer, ou bien je vais faire une opération élémentaire sur la troisième ligne pour transformer ce moins 1 en 1. Et je vais toujours me profiter de ce 1 là, je vais faire la troisième ligne plus la première ligne. Pourquoi? Parce que je sais très bien, si je fais la somme ligne 3 plus ligne 1, je vais avoir moins 1 plus 1, ce qui va donner 0. Donc voilà, je vais faire deux opérations élémentaires. Regardons qu'est-ce qu'on va avoir. J'ai pas changé la première ligne, donc je vais écrire la première ligne telle qu'elle est. La deuxième ligne reçoit la deuxième moins 4 la première. 4 moins 4, c'est 0. C'est pour cette raison que j'ai fait cette opération finalement pour avoir ce 0. Maintenant, il faut faire attention sur le deuxième coefficient. Ligne 2 moins 4 ligne 1. Donc 0 moins 4 fois 2, je trouve moins 8. Le troisième coefficient, moins 1 moins 4, c'est moins 5. Voilà, j'ai trouvé moins 5. Je passe maintenant, est-ce que je veux faire une opération sur la troisième ligne? Oui, il y en a une opération. Donc, cette opération consiste à faire la somme de la troisième ligne plus la première ligne. Donc, moins 1 plus 1, c'est 0, et j'ai déjà fait ça exprès pour avoir un 0 là. 2 plus 2, ça fait 4. Et 2 plus 1, ça fait 3. Voilà, j'ai fait deux opérations élémentaires. Maintenant, je fais quoi? Les mêmes opérations sur la matrice qui est à droite. Donc, voilà. Je vais appliquer les deux opérations sur cette matrice. Donc, j'ai pas changé la première ligne, je garde la première ligne, 1, 0, 0. Ligne 2 reçoit ligne 2 moins 4 ligne 1. Donc, ligne 2 moins 4, 0, moins 4, ça fait moins 4. Ici, 1 moins 4 fois 0, ça fait 1. Et 0 moins 4, 0, c'est 0. La deuxième opération, maintenant, cette opération. Sur la troisième ligne, ligne 3 plus ligne 1, donc 0 plus 1, ça fait 1, 0 plus 0, ça fait 0, et 1 plus 0, ça fait 1. Voilà, j'ai appliqué les deux opérations élémentaires. Et maintenant, je fais quoi? Je vérifie ma matrice. J'ai eu le 0, 0, 0, c'est bien. Maintenant, je m'intéresse au deuxième pivot, c'est-à-dire le deuxième coefficient. Diagonale, si c'est moins 8. Donc, je vais essayer de faire quoi? De transformer ce moins 8-là en 1. Quelle opération? On peut diviser, par exemple, multiplier la deuxième ligne par quoi? Par moins 1 huitième. Donc, je vais multiplier la deuxième ligne par moins 1 huitième pour transformer ce moins 8-là, deuxième coefficient diagonale, en 1. Allez, on va faire cette opération ensemble. J'ai pas touché la première ligne, donc 1, 2, 1. La deuxième ligne, elle sera multipliée par moins 1 huitième. Bon, c'est 0 fois moins 1 huitième, ça sera 0. Moins 8 fois moins 1 huitième, ça sera 1, c'est ce que je veux faire. Et moins 1 huitième fois moins 5, ça sera 5 huitièmes. Et j'ai pas changé la dernière ligne, donc je garde la dernière ligne. Je fais quoi maintenant? Je fais la même chose. Cette opération, je veux l'appliquer sur cette matrice. Donc, je veux garder la première ligne telle qu'elle est. La deuxième sera multipliée par moins 1 huitième. Donc, voilà la matrice obtenue après cette opération élémentaire. Donc, je vérifie maintenant cette matrice. J'ai le 1, c'est bon, 0, 0. J'ai ici le 1. Maintenant, je m'intéresse à ce coefficient en dessous de ce 1. Voilà, je veux rendre ce 4 ou bien transformer ce 4 en 0. Alors, quelle opération élémentaire on doit l'appliquer pour transformer ce 4 en 0? On peut se profiter toujours de ce pivot qui est le 1 pour savoir quelle opération. Donc, je vais opérer sur la troisième ligne. Je fais la troisième ligne moins 4, la deuxième ligne, parce que je sais très bien que 4 moins 4 va donner 0. Et donc, j'applique cette opération élémentaire. J'ai pas changé la première ligne. Donc, j'écris 1, 2, 1. La deuxième ligne encore telle qu'elle est, 0, 1, 5 huitièmes. Et maintenant, la troisième, oui, j'ai fait une opération sur la troisième ligne, j'ai fait la troisième
sera la troisième moins 4 la deuxième. Donc 0 moins 0, c'est 0. 4 moins 4, c'est 0. C'est pour cette raison que j'ai fait cette opération déjà. Et 3 moins 4 fois 5 huitièmes. J'ai écrit ça pour savoir qu'est-ce que je fais exactement. J'opère sur la troisième ligne, ligne 3 moins 4 ligne 2. Bon, je peux simplifier. Le 4 sur 8, ça sera 5 demi. Le 3, ça sera 6 demi. 6 demi moins 5 demi, ça donne le 1 demi. Donc, je peux effacer tout ça pour écrire tout simplement, c'est 1 demi. Voilà, 1 demi. Je fais même opération, la même opération sur cette matrice qui est à droite maintenant. Donc, je change pas la première ligne, 1, 0, 0, la deuxième aussi, 4 huitièmes moins 1 huitième, 0. Et maintenant, la troisième, maintenant, sera la troisième moins 4 la deuxième. Donc, je fais, j'écris, il faut faire attention, il ne faut pas commettre des fautes. La troisième, donc 1 moins 4 fois 4 sur 8. 0 moins 4 fois moins 1 huitième, donc 4 huitièmes. Et 1 moins 4 fois 0, ça donne le 1. Donc, juste, je vais simplifier 4 ici, 2, 4 sur 2, c'est 2, et 1 moins 2, ça donne moins 1. Donc, tout ça, je peux le remplacer tout simplement par moins 1. Voilà, moins 1. Voilà, juste, je vérifie. Ligne 3, on a dit moins 4, donc ça fait moins 4 huitièmes. C'est bon. Bon, le 4 huitièmes, je peux le remplacer par 1 demi, ou bien je le garde tel qu'il est. C'est bon. Donc, je continue. Alors, lorsque je continue, maintenant, je m'intéresse à quoi? Voilà le premier pivot, les coefficients en dessous du pivot, le pivot, le coefficient au-dessus du pivot, le troisième pivot, maintenant, je dois, il y a un demi ici, mais pour avoir une matrice identité, il faut transformer ce un demi en un. Il faut avoir un ici. Quelle opération alors je peux faire pour transformer ce 1 demi en 1? Je fais quoi? Je opère sur la troisième ligne. Je multiplie tout simplement la troisième ligne par 2. 2 fois 1 demi, ça donne le 1. Et donc, on va appliquer cette opération. Donc, la première ligne telle qu'elle est. La deuxième ligne encore telle qu'elle est. Et la troisième sera multipliée par quoi? Par 2. Mais 2 fois 0, c'est 0. 2 fois 0, c'est 0. 2 fois 1 demi, c'est 1. Voilà pour la première matrice. La même opération sur la deuxième matrice qui est à droite. Voilà, la même opération. Donc, la première ligne telle qu'elle est, c'est pas une opération sur la première ligne ni sur la deuxième ligne. Donc, j'écris 4 huitièmes, moins 1 huitième, 0. Maintenant, je multiplie la troisième ligne par 2. Donc, je vais avoir moins 2, 8 sur 8, c'est 1, et 2. Voilà. Et j'examine ma matrice, le pivot, les coefficients en dessous, le pivot, les coefficients en dessous, le pivot, c'est bon. Donc, elle sera une matrice triangulaire supérieure. Maintenant, je m'intéresse aux coefficients au-dessus des deux pivots. Donc, je commence par le 1 et le 5 huitième. J'aimerais bien transformer le 1 en 0 et le 5 huitième encore en 0. Donc, je dois opérer ça sur la première ligne et aussi sur la deuxième. Donc, la première ligne, j'utilise toujours le pivot. Quelle opération? Ligne 1 moins ligne 3. Je sais très bien qu'elle sera transformée en 0. La deuxième ligne, pour transformer ce 5 huitième en 0, je vais utiliser le pivot toujours. Donc, c'est celle à ligne 2 moins 5 huitième, ligne 3. Voilà ces deux opérations. Je vais appliquer ces deux opérations sur ma matrice et la matrice en face. Allez. On doit faire attention. Donc, la première, ligne 1 moins ligne 3. Donc, 1 moins 0, c'est 1. 2 moins 0, c'est 2. Et 1 moins 1, c'est 0. C'est bon, pas de problème. Ligne 2 reçoit ligne 2 moins 5 huitièmes ligne 3. Donc, 0 moins 5 huitièmes, 0, c'est 0. 1 moins 5 huitièmes, 0, c'est 1. 5 huitièmes moins 5 huitièmes, c'est 0. Et j'ai pas changé la troisième ligne, donc j'écris la troisième ligne telle qu'elle est. Les mêmes opérations sur la matrice. À droite, donc il faut faire attention, ça sera plus compliqué peut-être le calcul. Ligne 1 moins ligne 3, donc 1 moins moins 2, donc 1 plus 2, ça fait 3. 0 moins 1, c'est moins 1. 0 moins 2, c'est moins 2. Donc voilà pour la première ligne, et c'est bon. La deuxième opération qui est ligne 2, voilà cette opération maintenant, reçoit ligne 2,
Moins 5 huitièmes, ligne 3. Donc, j'écris 4 huitièmes moins 5 huitièmes fois moins 2. Donc, voilà, je fais comme ça. Cette opération, cette circonfusion, donc moins 1 huitième moins 5 huitièmes fois 1. Donc, voilà. Et 0, donc 0, moins 5 huitièmes fois 2. Moins 5 huitièmes fois 2. Et il n'y a pas d'opération sur la troisième ligne. Juste, je veux voir s'il y a des simplifications. Ici, 10 plus 4, ça fait 14 sur 8. Donc, je vais écrire 14 sur 8. Ici, c'est 14 sur 8. Voilà, 14 sur 8. Là, c'est moins 6 sur 8. Donc, comme je vais écrire moins 6 sur 8. Et là, c'est moins 10 sur 8. Donc, je vais essayer d'écrire moins 10 sur 8. Voilà. J'examine ma matrice. Est-ce que j'ai trouvé la matrice identité, le pivot, les coefficients en dessous, le pivot, les coefficients en dessous, le pivot, les coefficients au-dessous. Et maintenant, il me reste ce 2-là. Je dois le transformer en 0 et comme ça, je trouverai ma matrice identité. Alors, le 2 est situé sur la première ligne. Donc, je dois opérer sur la première ligne. Et je dois utiliser le pivot, ce pivot-là. Et c'est quelle opération? On va dire la ligne 1 moins 2 fois la ligne 2 pour avoir le 0. Allez, on fait cette opération. 1 moins 2 fois 0, c'est 1. 2 moins 2, c'est 0. 0 moins 2, 0, 0. J'ai pas changé ni la deuxième, ni la troisième ligne. Même opération sur cette matrice en face. Donc, 3 moins 14 huitièmes fois 2. Moins 1 plus 2 fois 6 huitièmes. Et moins 2 plus, donc je vais effacer ces parenthèses, cette parenthèse-là, pour que je puisse écrire, hop. Voilà, moins 2, on a dit ligne 1, c'est moins 2 fois plus 2 fois 10 sur 8. Voilà cette opération, et j'ai pas changé les autres. Donc, 14 huitièmes, moins 6 huitièmes, moins 10 huitièmes, moins 2, 1, 2. Je vais simplifier, bien sûr, mais juste une remarque. Qu'est-ce qu'on a trouvé ici? C'est l'identité. Ça y est, on est arrivé à l'identité finalement après un calcul pénible, mais je sais, mais quand même, on est arrivé. Ça, c'est l'identité. Donc, ce qui est côté de ça, c'est l'inverse de A. Donc, ce qu'il nous reste maintenant, juste de simplifier un peu, on va calculer ces valeurs pour donner la matrice inverse de A. Considérons maintenant cette matrice qui est une matrice diagonale. Et on va examiner si cette matrice est inversible et dans ce cas, quelle est son inverse. Par la méthode de pivot de Gauss toujours, je vais écrire cette matrice que j'ai notée par D puisqu'elle est diagonale, donc j'ai utilisé la notation D. Je vais écrire la matrice D ici, à gauche, donc 4, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 8. Et la matrice identité, qui est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Je vais appliquer la méthode de pivot de Gauss pour transformer la matrice D en une matrice identité. Donc, je commence toujours par le premier pivot, qui est le 4. Je vais essayer de transformer le 4 en 1, parce que pour une matrice identité, ici, on doit avoir 1. Donc, quelle opération élémentaire on va faire sur la première ligne? Ligne 1 reçoit un quart, voilà, pour avoir 1. Donc, je multiplie la première ligne par un quart, je vais alors avoir 1, 0, 0. J'ai pas changé la deuxième ligne, donc 0, 6, 0, 0, 0, 8. Donc, la matrice qui est là, maintenant, je vais appliquer la même opération élémentaire. Donc, je multiplie la première ligne par un quart, donc un quart 0, 0. Et je vais garder la deuxième et la troisième ligne. Bon, ici 1, excusez-moi. Donc, il y a 1 sur la diagonale pour la matrice identité. Voilà, 0, 0, 1. Et donc, je continue. Maintenant, c'est bon.
On a le 1-0-0. Je m'intéresse au deuxième pivot. Il y a 6 là. Je vais faire une opération élémentaire pour transformer ce 6 en 1. Donc, on va faire la deuxième ligne reçoit 1 sixième fois la deuxième ligne. Donc, je multiplie la deuxième ligne par 1 sixième. Donc, voilà l'opération. Je vais l'appliquer sur la deuxième ligne. Donc, je garde la ligne 1 telle qu'elle est. Cette ligne sera multipliée par 1 sixième. Donc, 0, 1, 0. Et la dernière telle qu'elle est. Je vais faire cette opération, la même opération élémentaire, sur cette matrice. Donc, je multiplie autrement la deuxième ligne par 1 sixième. Très bien. Et maintenant, je fais quoi? La dernière ligne. Donc, on regarde, je vérifie ma. Donc, il y en a le 1, 0, 0. Le 0, 1, 0. Maintenant, je m'intéresse à la troisième colonne, ce pivot. Je dois avoir 1. Il y a le 8. Donc, je fais quoi? Quelle opération pour transformer le 8 en 1? Je vais opérer sur la troisième ligne. Je fais 1 huitième fois ligne 3. Je multiplie la troisième ligne par 1 huitième. Et je vérifie qu'est-ce que je vais avoir. Donc, j'ai pas changé la première ligne, je n'ai pas changé la deuxième ligne et la troisième est multipliée par 1 huitième. Donc, c'est 1. Même opération élémentaire sur cette matrice. Donc, j'ai pas changé la première ligne ni la deuxième. La troisième est multipliée par 1 huitième. Et puisque ici, à gauche, j'ai trouvé l'identité, donc, certainement, à droite, j'ai la matrice inverse de D, c'est-à-dire D moins 1. Donc, j'ai trouvé D, bon, D moins 1, pardon, D est donné par 4, 6, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0. On a dit une matrice diagonale. Et on a calculé D moins 1. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Un quart, 0, 0, 0, 1 sixième, 0, 0, 0, 1 huitième. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Pour une matrice diagonale, d'une part, le calcul est simple. Et l'inverse, comment obtenir l'inverse? Tout simplement, juste on inverse les coefficients diagonaux. Le 4 sera un quart, le 6 sera un sixième, le 8 un huitième. Et du coup, on trouve la matrice inverse. Donc, je peux dire une remarque là. Si D est diagonale, si D est une matrice diagonale. Donc, je te rappelle qu'on a écrit D, diagonale, c'est-à-dire diag, comme ça. Et j'écris les coefficients diagonaux. Par exemple, ici, les coefficients diagonaux, 4, 6, 8. Donc, je vais écrire lambda 1, lambda 2, lambda 3. Voilà, 3. Jusqu'à lambda n. Donc, je suppose que j'ai une matrice diagonale de taille n, n ligne, n colonne. Alors, quand D est inversible, D est inversible. Si seulement si je peux inverser tous les lambda i, je peux parler de 1 sur lambda 1, je peux parler de 1 sur lambda 2, c'est-à-dire 1 sur lambda i, ou bien lambda i toujours non nul, parce qu'on ne peut pas diviser par 0, donc lambda i différent de 0, quel que soit i de 1 à n, pour qu'on puisse diviser par lambda i, donc il faut que lambda 1 différent de 0, lambda 2 différent de 0, ainsi de suite. Et dans ce cas, c'est-à-dire dans le cas où les lambda i sont non nuls, et dans ce cas, l'inverse de D, c'est tout simplement, c'est une matrice diagonale encore. Qu'est-ce qu'il y a sur la diagonale? 1 sur lambda 1, 1 sur lambda 2, 1 sur lambda 3, ainsi de suite, jusqu'à 1 sur la dernière. Le dernier coefficient. Voilà pour la méthode de pivot de Gauss pour chercher l'inverse. Donc, n'oubliez pas, l'inverse, c'est une matrice ayant même taille qui vérifie A fois A moins 1 égale l'identité. C'est ça la définition d'une matrice inverse. Quelques propriétés sur la matrice inverse. L'inverse de l'inverse de A, c'est A. L'inverse de transposé de A, c'est égal à la transposée de l'inverse de A. Si maintenant j'ai le produit A fois B et je cherche, je suppose, est inversible et B est inversible. Alors A fois B est inversible et l'inverse du produit est égal B moins 1 fois A moins 1. Faire attention ici à l'ordre. Donc ici, au début, c'était A fois B, l'inverse de A fois B. Donc est égal à quoi? L'inverse de B, tout d'abord, fois l'inverse de A.
Si D est une matrice diagonale, l'inverse d'une matrice diagonale, c'est quoi? C'est une matrice diagonale ayant comme coefficient 1 sur DII, c'est-à-dire 1 sur les coefficients diagonaux. Et finalement, lorsque l'inverse de A égale la transposée de A, je dis tout simplement que cette matrice est une matrice diagonale. Voilà, on est arrivé maintenant au dernier paragraphe de ce chapitre, déterminant d'une matrice carrée. Donc, le déterminant d'une matrice carrée, c'est un réel. Comment il est défini ce réel, c'est ce qu'on va le voir. Mais il faut faire attention, aussi je ne parle de déterminant d'une matrice que lorsque la matrice est une matrice carrée. Donc les deux buts, on va supposer pour le reste de ce chapitre que A est une matrice carrée. C'est quoi le déterminant de A? On va commencer par une matrice carrée de taille 2. Donc je suppose que tout d'abord, on a une matrice de taille 2. C'est quoi le déterminant d'une matrice? Quand vous voyez une matrice carrée de taille 2, elle est sous la forme par exemple A, B, C, D comme ça, le déterminant est donné par cette expression. Voilà, je considère comme premier cas A d'une matrice carrée de taille 2. Par exemple, donc je considère A égale une matrice, par exemple ici 1, 0, 4, 5. Donc, je donne une matrice quelconque de taille 2. C'est quoi le déterminant de A maintenant? Déterminant de A, je peux écrire, au lieu de parenthèse, j'écris deux barres comme ça et j'écris les mêmes coefficients. 1, 0, 4, 5. Le déterminant de A, c'est un réel finalement. Enfin, c'est pas une matrice, mais c'est un réel. Pardon. Voilà. Comment je peux calculer ce réel? Je fais le produit de coefficients diagonaux. 1 fois 5 moins 4 fois 0. Donc 1 fois 5, c'est 5, moins 0, c'est 5. Donc le déterminant de A égale 5. Ça, c'est le premier exemple. Je peux vous donner un autre exemple. Si A égale, par exemple, 1, 2, 3, 4. Alors, le déterminant de A, c'est égal au déterminant entre deux barres, il faut faire attention, de la matrice 1, 2, 3, 4. Et donc, je fais quoi? Le produit du coefficient diagonaux, 1 fois 4, c'est 4, moins ce coefficient 2 fois 3. Et donc, ça donne 4 moins 6, qui est moins 2. Donc, d'une façon générale, où A égale une matrice carrée A, B, C, D, voilà, où la matrice A est donnée par A, B, C, D. Alors, le déterminant de A est égal à quoi? Entre deux barres. A, B, C, D. Maintenant, pas entre deux parenthèses. Le produit de ce coefficient, A fois D, moins le produit de ce deux coefficients, C fois B. Voilà comment calculer le déterminant d'une matrice dans le cas où la matrice est une matrice carrée de taille 2. Deuxième cas, si la matrice est une matrice de taille 3. A est une matrice ayant trois lignes, trois colonnes. Comment je peux calculer le déterminant de A? Alors, voilà, je donne un exemple. Par exemple, A est égal à 1. 3, 0, 0, 4, 1, 2, 2, 3. Par exemple. Ici, je veux faire quoi pour calculer les déterminants? Bon, pour une matrice de taille 2, la méthode, elle est claire. Pour une matrice de taille 3, en fait, en réalité, il y a plusieurs méthodes. Donc, je veux commencer par la première méthode. Pour calculer le déterminant de 1, on va choisir une ligne ou bien une colonne. N'importe quelle ligne, n'importe quelle colonne. On va dire, on va faire le développement selon une ligne ou bien une colonne. Donc, on choisit n'importe quelle ligne ou bien n'importe quelle colonne. Par exemple, je vais faire le développement selon la première ligne. Tous les résultats vont donner le même déterminant, bien sûr. Donc, je vais écrire le déterminant de A est égal à quoi? Donc, entre deux barres, 1, 3, 0,
0, 4, 1, 2, 2, 3. Et on a dit, on va faire le développement, par exemple, sur la première ligne. Donc, d'après le développement sur la première ligne, ici, j'écris le coefficient, qui est égal à 1, fois moins 1 à la puissance, ici, c'est le signe de la position. Le 1, il est sur quelle ligne et quelle colonne, ici, ce coefficient? Il est sur la première ligne, donc ligne 1, la première colonne, plus 1. Donc, 1 plus 1 pour dire la première ligne, la première colonne. Ça, c'est le signe de la position, fois le déterminant de la matrice obtenu en supprimant la ligne où 1 est situé et la colonne. Donc, après effacer, avoir effacé la première ligne et la première colonne, je vais avoir 4, 1, 2, 3. Plus, on a dit on va développer selon la première ligne. Donc, on a fait quoi? Donc voilà, le premier coefficient, c'est 1. Maintenant, je passe au deuxième coefficient qui est le 3 là. Donc je crée plus 3 fois moins 1 à la puissance combien? Ici, le 3 est situé sur quelle ligne ou quelle colonne? Première ligne, donc 1, plus deuxième colonne, plus 2. Donc moins 1 à la puissance 1 plus 2 pour dire c'est sur la première ligne, deuxième colonne, fois le déterminant de la matrice obtenu en supprimant la ligne et la colonne sur laquelle le 3 apparaît. Donc, vous voyez que le 3 apparaît sur la première ligne. Donc, on va effacer la première ligne. Et la troisième colonne, la deuxième colonne où 3 apparaît. Donc, voilà, je supprime ça et ça. Qu'est-ce qu'il va rester? Le déterminant de la matrice. 0, 2, 1, 3. 0, 2, 1, 3. Encore, on n'a pas encore terminé. On a dit on va développer selon la première ligne. Donc, on a écrit 1, 3, maintenant 0. Plus 0 fois la position de 0 moins 1 à la puissance combien? Ici, on s'intéresse à 0. 0, elle est sur quelle ligne et quelle colonne? 0 est sur la première ligne, troisième colonne, première ligne, troisième colonne, fois le déterminant de la matrice obtenue en supprimant la ligne, la colonne sur laquelle 0 apparaît. Donc, la ligne 1, la troisième colonne. Donc, j'ai 0, 2, 4, 2. Donc, je vais écrire 0, 2, 4, 2. Et je calcule tout ça. Donc, on fait le calcul. Allez, ensemble. 1 moins 1 au carré, c'est 1. Donc, 1 fois 1, c'est 1. Le déterminant de cette matrice, maintenant, c'est une matrice carrée. On sait très bien comment calculer le déterminant. 4 fois 3, moins 2. Donc, je dis 4 fois 3, c'est 12, moins 2. Plus 3, moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. Fois le déterminant de cette matrice, 0 fois 3, 0, moins 2. Fois moins 2. Plus 0, bon, 0 fois n'importe quel réel, ça donne 0. Donc, c'est pas la peine de calculer. Donc, je continue. Donc, on a trouvé 1 fois 12 moins 2, plus 3 fois moins 1, plus moins 2 fois 0. Donc, je calcule tout ça tout simplement. 12 moins 2, ça fait 10. 3 fois moins 1 fois moins 2, ça fait 6. Plus 0, donc j'ai trouvé le déterminant égal à 16. Donc, le déterminant de cette matrice est égal à quoi? Est égal à 16. Juste une remarque, même si on a développé selon une autre ligne ou bien même une autre colonne, on va trouver toujours le déterminant égal à 16. Allez, on va vérifier ensemble. On va dire, si je choisis, par exemple, au lieu de choisir la première ligne, je vais développer, par exemple, sur la dernière ligne. Donc, je vais écrire, je fais de même. Je vais calculer le déterminant de A en utilisant le développement selon la dernière ligne, la troisième ligne. Voyons, déterminant de A égale, par définition, on a dit le déterminant de la matrice 1, 3, 0, 0, 4, 1, 2, 2, 3 égale. Donc, n'oubliez pas, on va développer selon la dernière ligne. Donc, quels sont les coefficients? Je commence par 2. Fois la position de 2, c'est-à-dire 2, elle est située sur quelle ligne et quelle colonne? Troisième ligne,
première colonne, donc je fais moins 1 à l'absence 3 plus 1, fois le déterminant de la matrice obtenu en supprimant la ligne et la colonne sur laquelle ce 2 apparaît. Donc voilà la première ligne et la première colonne. On va trouver une matrice de taille de 2, fois 0, 4, 1. Plus, donc on a dit, on va développer selon, n'oubliez pas, selon la dernière ligne. Donc on va passer maintenant à la coefficient de ce 2-là. Le deuxième 2 qui apparaît ici. Donc voilà ces 2-là. Donc j'écris le deuxième 2 fois la position qui est sur la troisième ligne, deuxième colonne, donc 3 plus 2, fois le déterminant de la matrice obtenu en supprimant la ligne et la colonne sur laquelle ce 2, ce coefficient apparaît. Donc voilà la ligne et la colonne. Donc je veux trouver une matrice de taille de 2 de coefficient 1, 0, 0, 1. Donc 1, 0, 0, 1. Plus le dernier coefficient qui est 3 là. Voilà, comme ça on va développer sur toute la ligne. La coefficient donc 3. 3 fois la position de 3, donc j'écris 3 fois la position de 3, moins 1, la puissance combien? Donc le 3 ici est sur la troisième ligne, troisième colonne, donc 3 plus 3, fois le déterminant de la matrice obtenu en supprimant la ligne et la colonne sur laquelle 3 apparaît. Donc, je supprime comme si cette ligne et cette colonne, voilà, je veux trouver une matrice de 2, 1, 3, 0, 4. Donc, 1, 3, 0, 4. N'oubliez pas, on a déjà calculé le déterminant de la matrice A. On a déjà calculé ça, on a trouvé que le déterminant est égal à quoi? Juste, je vérifie. On a trouvé 6, je pense. En 16. On a trouvé 16. Voilà, on a trouvé le déterminant égal à 16. Donc, on va avoir 16 encore, en principe, si notre calcul est correct. Donc, allez, on va calculer ensemble tout ça. Égal. Moins 1 à la puissance 4, ça c'est 1. 2 fois 1, c'est 2. Maintenant, le déterminant de cette matrice, c'est une matrice de taille 2. On a bien compris comment calculer le déterminant d'une matrice de taille 2. Donc, 3 fois 1 moins 4 fois 0. Donc, 3 finalement. Plus 2 fois moins 1 à la puissance 5, c'est moins 1. Fois le déterminant de cette matrice, mais cette matrice est simple. 1 fois 1 moins 0, c'est 1. Plus 3 fois moins 1 à la puissance 6, c'est 1. Et maintenant, 1 fois 4, c'est 4. Et donc, à quoi est égal le déterminant? Je fais la somme. 6 plus 12. Donc, 6, 2 fois 3, c'est 6. Moins 2, 6 moins 2, ça fait 4. Plus 3 fois 4, donc ici, 6 moins 2 plus 12, ça fait 16. Donc, voilà, on a trouvé le même résultat. Mais il faut avoir déjà le même résultat, sinon le calcul est faux. Donc, j'espère que vous avez bien compris comment calculer le déterminant d'une matrice de taille 3. Vous développez selon une ligne ou bien encore une colonne, hein. En principe, vous allez toujours trouver le même déterminant. Donc, si quelqu'un choisit la deuxième ligne ou bien quelqu'un choisit la deuxième colonne ou bien la première colonne, toujours on va trouver la même valeur. Donc, le déterminant est unique. Si A est une matrice, le déterminant est unique. Donc, voilà, finalement, on a trouvé le déterminant de A est égal à 16. Donc, encore un autre exemple. Voilà une matrice A, encore de taille 3, 3 lignes, 3 colonnes. Et le but de cet exercice, ou bien ce petit exemple, est de déterminer le déterminant de la matrice A. Dt de A, c'est le déterminant de A. Donc, déterminant de A, ou encore, je peux écrire entre deux barres, 0, 2, 5, 0, 4, 1, et 1, 0, moins 1. On veut calculer ça. Alors, comme on a fait dans l'exemple précédent, je veux développer selon une ligne ou bien une colonne. Donc, je choisis
Alors, vous pouvez choisir n'importe quelle ligne ou bien n'importe quelle colonne pour faire le développement. Regardez, si vous choisissez par exemple cette colonne, vous allez dire, voilà, je vais faire le développement selon cette colonne. Voyons le calcul que vous devez le faire. Donc, vous commencez par le premier coefficient, 5, fois la position de 5, la position, c'est-à-dire moins 1 à la puissance combien, nombre de lignes, le 5 est situé où? Sur la première ligne, troisième colonne, première ligne et troisième colonne. Donc, j'écris moins 1 à la puissance plus 3 ou bien moins 1 à la puissance 4. Fois le déterminant de la matrice obtenue en supprimant la ligne et la colonne sur laquelle le coefficient 5 apparaît. Donc voilà. Donc c'est le, je trouve une matrice de taille 2, 0, 4, 1, 0. Et je continue. Donc on va développer selon cette colonne. Donc j'ai écrit le 5. Maintenant le 1 fois la position de 1. Le 1, il est situé sur la deuxième ligne, troisième colonne, 2 plus 3. Fois le déterminant de la matrice obtenue en supprimant la ligne et la colonne sur laquelle le 1 se trouve. Donc, je trouve une matrice 0, 2, 1, 0. 0, 2, 1, 0. Encore, j'ai continué. Maintenant, le dernier coefficient qui est le moins 1 plus moins 1. Fois la position de moins 1. Le moins 1, il est situé où? Sur la troisième ligne et troisième colonne. Donc, 3 plus 3. Fois le déterminant de la matrice obtenue en supprimant la ligne et la colonne sur lesquelles moins 1 apparaît. Donc voilà, je trouve cette matrice 0, 2, 0, 4. Et je dois faire tout ce calcul pour savoir le déterminant de la matrice A. Allez, on va faire le calcul ensemble. 5. Moins 1 à la puissance 4, c'est 1, donc on trouve 5. Le déterminant de cette matrice de taille de 2, on a vu comment calculer le déterminant d'une telle matrice, 0 fois 0, moins 4 fois 1, donc c'est fois moins 4. Plus 1 fois moins 1 à la puissance 5, donc moins 1, fois le déterminant de cette matrice, 0 fois 0, moins 2, donc fois moins 2. Plus moins 1 fois 1, donc moins 1 fois 1, c'est moins 1. Le déterminant de cette matrice, 0, 4, moins 0 fois 2, c'est 0. Et je calcule tout ça, ça fait moins 20 plus 2 plus 0, c'est moins 18. Donc voilà, j'ai trouvé le déterminant finalement. Déterminant de A, je peux dire que c'est moins 18. J'ai en fait développé selon la dernière colonne. Regardez maintenant si je développe sur la première colonne. Certainement, je veux trouver le même déterminant. Mais est-ce que c'est beaucoup plus simple de développer selon la première colonne ou bien la troisième colonne? Voyons ça ensemble. Donc, je réécris la matrice A. La matrice A, c'est 0, 0, 1, 2, 4, 0 et 5, 1, moins 1. Alors, le déterminant de A, je mets deux barres pour dire ce déterminant cette fois. 2, 4, 0 et 5, 1, moins 1. On a dit, on va développer selon la première colonne. Qu'est-ce qu'il va changer? En principe, on va trouver encore le même résultat. C'est toujours en moins 18, mais regardez maintenant. Je développe selon cette colonne. Je veux voir 0 fois moins 1, la position de 0 qui est la première ligne, première colonne, donc 1 plus 1, fois le déterminant de la matrice obtenue en supprimant la ligne et la colonne sur laquelle 0 apparaît. Mais pourquoi écrire tout ça si finalement je veux le multiplier par 0? Je sais à l'avance que 0 fois n'importe quel réel va donner 0. Donc c'est pas la peine d'écrire tout ça. Je sais que le premier coefficient, 0, donc 0 fois n'importe quel réel, c'est 0. Le deuxième coefficient, encore 0. Bon, je peux écrire 0 fois la position de 0 fois le déterminant du poly de la matrice. Mais finalement, tout ça sera multiplié fois 0. Donc c'est pas la peine d'écrire tout ça. Donc, il suffit finalement de écrire quoi? La troisième coefficient qui est le 1. Le 1 maintenant multiplié fois quoi? Donc, juste je change la couleur. Voilà, donc on a dit plus finalement le 1 fois qui est là?
Voilà la position de 1, moins 1 à la puissance nombre de lignes plus nombre de colonnes. Le 1 apparaît sur la troisième ligne première colonne, fois le déterminant de la matrice obtenu en supprimant la ligne et la colonne sur lesquelles apparaît. Donc voilà, j'ai déjà fait 2, 5, 4, 1. Finalement, à quoi égale le déterminant? Donc c'est pas la peine de calculer ça, ni ça. Seulement un seul terme, 1 fois moins 1 à la puissance 5, c'est moins 1, fois le déterminant de cette matrice, 2 fois 1, c'est 2, donc 2 moins 20. Je vais trouver quoi? 2 moins 20, c'est moins 18, fois moins 1 à la puissance 4 ici, ça reste moins 18. Voilà, donc il s'agit bien du même déterminant, mais à mon avis, je pense que c'est plus intelligent de développer sur la première ligne, parce que la première colonne, pardon, parce que la première colonne contient plus de zéros et donc le développement sera beaucoup plus simple. Donc, si je propose maintenant cet exemple, je vous demande de déterminer ou bien calculer le déterminant de A. Bien sûr, vous avez le choix, vous pouvez choisir n'importe quelle ligne ou bien n'importe quelle colonne. Mais pour moi, je vous conseille de choisir cette ligne puisqu'elle contient deux zéros. Donc, vous avez un seul coefficient dans le. Donc, je développe tout simplement selon cette ligne, la deuxième ligne. Dans ce cas, voilà, on va développer selon cette ligne. Je vais écrire c'est 9 fois la position de 9, les négatives ou bien positives. Donc, c'est moins 1 à la puissance combien? Le 9 est situé sur la deuxième ligne, première colonne. Donc, 2 plus 1, ça fait 3. J'écris directement 3. Fois le déterminant de la matrice obtenue en supprimant la ligne et la colonne sur lesquelles le 9 apparaît. Donc, il va rester 4, 1, 1, 1. Et donc, je calcule, ça c'est moins 9. Le déterminant 4 moins 1, ça fait 2 fois 3. Et donc, je trouve moins 27. Vous voyez, lorsqu'il y a des zéros, donc plusieurs zéros dans la matrice, je peux calculer mieux ou bien avec une manière beaucoup plus simple le déterminant de la matrice. Maintenant, imaginez qu'on a voilà une matrice comme celle-là qui ne contient aucun zéro. Donc, on va développer selon une ligne ou bien une colonne, oui. Mais on peut encore, avant de faire le développement selon une ligne ou bien une colonne, on fait des opérations élémentaires pour faire apparaître des zéros. Parce qu'on a bien compris que s'il y a des zéros dans la matrice, le déterminant ou bien le calcul de déterminant sera beaucoup plus simple. Et donc, on va faire des opérations élémentaires sur le déterminant, bien sûr la matrice, pour faire apparaître des zéros et puis calculer le déterminant. Donc, voilà le déterminant de cette matrice, 1 moins 1, 1, 1, 1 moins 1 et moins 1, 1, 1. Quel type d'opération élémentaire ne change pas la valeur de déterminant? Voilà les opérations élémentaires qui ne changent pas la valeur du déterminant. Soit je fais ligne I reçoit ligne I plus alpha ligne J, soit la colonne I reçoit colonne I plus bêta, ou bien n'importe quelle constante alpha colonne J. Donc, j'ajoute un multiple d'une colonne à une autre, ou bien un multiple d'une ligne à une autre. Et ça change pas la valeur de déterminant de A. Donc, c'est très bien. On peut appliquer une opération pour faire apparaître deux zéros et puis calculer le déterminant. Donc, on va essayer de faire apparaître des zéros. Alors, on fait ça ensemble. Donc, voilà, je peux faire par exemple la ligne 1 reçoit la ligne 1 plus ligne 2. Et maintenant, le déterminant. Donc, ça change pas le déterminant, donc j'écris égal. C'est le même déterminant. Après cette opération, je vais avoir 0, 2, 0. Donc, j'ai fait une opération sur la première ligne. Donc, 0, 2, 0. J'ai pas changé les autres. Voilà. Maintenant, vous voyez, vous remarquez qu'on a obtenu 2 0 sur cette ligne. Donc, je vais faire le développement selon cette ligne. Donc, le premier coefficient, c'est 0. Le deuxième, c'est 2, et le troisième, c'est 0. Donc, il y a qu'un seul terme, 2 fois. La position de 2, 2 se trouve sur la première ligne et deuxième colonne. 1 plus 2, ça fait 3. Fois le déterminant de la matrice obtenu en supprimant cette ligne et cette colonne. Donc, moins 1. Voilà, donc on fait le calcul. Moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. Moins 1 fois 2, c'est moins 2. Le déterminant de cette matrice, moins 1 fois 1.
moins 1, ça fait moins 2. Donc, j'ai trouvé 4. Voilà le déterminant de A, donc, égale 4. Donc, vous voyez, on a fait deux opérations élémentaires pour faire apparaître 2 zéros. Puis, on a calculé le déterminant. On a trouvé 4. Ici, j'ai donné la méthode du calcul des déterminants d'une matrice de taille 3 avec le développement selon une ligne ou bien une colonne. La deuxième méthode, on peut calculer encore une matrice, toujours dans le cas où la matrice A est de taille 3, c'est la méthode de Sarrus. Donc, c'est quoi la méthode de Sarrus? Donc, je rappelle, toujours, on suppose que notre matrice est une matrice de taille 3. On est dans le cas où la matrice est de taille 3. Donc, une matrice de taille 3, elle s'écrit sous quelle forme? A, B, C, D, F, G, H, I, L. A, cette formule-là. Donc, d'après la méthode de Sarrus, déterminant de A, c'est tout simplement, j'écris comme ça, A, B, C, D, F, G, H, I. Et j'ajoute la première ligne et la deuxième, pardon, la première colonne, la deuxième colonne ici. Donc, j'ajoute encore, je vais changer la couleur. Ou bien, on va garder la couleur sinon. Donc, je vais changer la couleur. Donc, A, B, C, D, E, F. Voilà, j'ai ajouté les deux premières colonnes. Et je fais quoi maintenant d'après la méthode de Sarrus? Le produit A fois E fois I. Donc, c'est coefficient A fois E fois I. Plus D fois H fois C, dans ce sens-là. D fois H fois C. Plus GBF. Donc, GBF. Moins maintenant, dans le sens opposé. Donc, je change la couleur pour voir. Voilà. En vert maintenant, moins. Maintenant, les coefficients diagonaux, mais dans ce sens-là. Voilà. DBI, moins encore. AHF, moins. GEC. Voilà. Bon, formellement, voilà le déterminant. Donc, je t'en fais comme ça. J'ajoute les deux colonnes, les deux premières colonnes, et je fais 3, le produit de ces trois composants, plus ces trois, moins ces trois, fois ces trois, fois ces trois. Voilà. Juste, j'applique la méthode de Sarrus sur un exemple pour voir les choses mieux. Par exemple, on veut calculer le déterminant de la matrice A. Voilà, les coefficients de A. C'est une matrice encore de taille 3, 3, donc tu peux appliquer la méthode de Sarrus. Et qu'est-ce que je dois faire alors pour calculer le déterminant de A? Déterminant de A entre deux barres comme ça. Et 1, 3, 4. Et je vais ajouter quoi? Les deux premières colonnes. 1, 0, moins 1. 2, 1, 1. Et je fais quoi maintenant? Le produit de ces trois coefficients, 1 fois 1 fois 4, ça fait 4, plus 2 fois 3 fois moins 1, ça fait moins 6, plus 1 fois 0 fois 1, ça fait 0. C'est bon pour ce sens-là. Moins maintenant, dans le sens opposé, 2, 0 fois 4, donc c'est 0. Moins 1 fois 3 fois 1, c'est, voilà, 3 et 1 fois 1 fois moins 1, donc moins 1. Voilà, et on calcule tout ça tout simplement. Ça fait 4 moins 6 moins 3 plus 1. Et donc, ça donne 4 plus 1, 5. 5 moins 9, c'est moins 4. Voilà, on a trouvé la méthode. Avec cette méthode, le déterminant de la matrice A. Donc, on n'a pas développé, on a utilisé la méthode de Sarrus tout simplement. Il faut faire attention, cette méthode de Sarrus n'est valable que pour les matrices carrées de taille 3. Maintenant, on va citer quelques propriétés concernant le déterminant d'une matrice. Si on a une matrice carrée, alors le déterminant, on a dit, c'est un réel. Ça sert à quoi? Ça sert
Par exemple, pour savoir si la matrice est une matrice inversible ou pas. Donc, la première chose, donc soit A une matrice carrée. Alors, déterminant de A différent de 0, ça implique que A est inversible. Donc, si on calcule le déterminant et on a trouvé n'importe quel réel, que ce soit négatif ou bien positif, l'essentiel différent de 0, on peut savoir que la matrice est inversible. Deuxième propriété, si A est inversible, alors le déterminant de A moins 1 égale 1 sur déterminant de A. Troisième propriété, déterminant de A fois B, si bien sûr je suppose qu'on a une deuxième matrice B ayant même taille, est égal déterminant de A fois déterminant de B. Quatrième propriété, déterminant de la matrice identité. Vous connaissez la matrice identité qui a de 1 ici et des 0 ailleurs. Alors la matrice identité, le déterminant est toujours est égal à 1. Donc voilà les propriétés, quelques propriétés concernant les déterminants. Donc je vous rappelle qu'il y en a des opérations élémentaires qui ne changent pas le déterminant. Quelles sont ces opérations élémentaires qui laissent invariant le déterminant? Si je fais comme ça, ligne I reçoit ligne I plus une constante ligne J, alors le déterminant de la matrice ne change pas. Lors de cette opération, le déterminant de cette matrice ne change pas. Aussi, si je fais l'opération colonne I reçoit colonne I plus alpha colonne J, aussi, le déterminant ne change pas. Si je fais comme ça, donc le déterminant d'une matrice, par exemple, juste pour voir, je donne un exemple. Une matrice, voilà, 2 fois A. Déterminant d'une matrice 2 fois A est égal à quoi? 2 à la puissance n fois déterminant de A. Lorsque j'ai une constante multipliée fois A, donc je ne peux pas faire sortir la constante 2 tout simplement, mais 2 à la puissance n. N, c'est la taille de A. Donc, d'une façon générale, déterminant d'une constante alpha fois A, c'est alpha à la puissance n fois A. Une autre propriété. À la fin de cette vidéo, je voulais juste féliciter tous les étudiants, chaque étudiant qui a pris la courage de voir cette vidéo et de la terminer jusqu'à la fin, qui a pris une feuille et un stylo et à chaque fois que je donne un exercice, il essaye à le faire. Certainement, si vous avez cette courage ou bien vous avez cette patience et vous êtes si motivé de suivre le cours, donc vous êtes dans le bon chemin, certainement vous allez arriver, inch'Allah, à vos buts. Donc voilà, je vous remercie infiniment et au revoir.